Connectez-vous, hein. Connectez-vous. Ici, c'est un direct très lourd. Un direct très, très lourd. Hein? L'homme du Congo-Liban. L'homme qui a toujours la tête, la grosse tête Congo-Liban, là. Hein? Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Parce que ce que je vous présente, là, c'est la magie, hein. C'est la magie. Connectez-vous. Connectez-vous. Voilà le gars que vous insultez chaque jour là qui est en train de briser très mal. Le gars que vous insultez là en train de briser très mal. Donc connectez-vous pour voir des merveilles. Connectez-vous. Connectez-vous et partagez le direct. Parce que mon fan qui ne partage pas le direct si vraiment, c'est qu'il est jaloux. Il faut partager le direct si vous aimez les Camerounais qui travaillent dans leur pays et qui évoluent. Vous comprenez, non? Partagez le direct. Regardez. Vous voyez. Voilà. Je vais tourner un peu la caméra. Voilà. Je tourne la caméra. Voilà. Nous devons voir UC. Mais pour l'instant, on va changer le nom d'un mal à l'autre. Voilà. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Je vous présente le studio. Hein? Le nouveau Studio Vision Pro. Voilà, c'est le nouveau Studio Vision Pro. Est-ce que le son est bon? Voilà. Tout est grâce. Rends grâce à Dieu. Voilà, donc comme je l'expliquais, j'ai besoin d'un photographe. Voilà, c'est maintenant là que les vrais shootings vont commencer, les gars. C'est maintenant là que je vais toucher les artistes en vrai. Ici, voilà, ici, il faut un coiffeur. Un coiffeur professionnel. Donc j'ai commencé là à l'intérieur. Là, il faut un monteur. Un bon monteur. Voilà, un bon monteur ici. Voilà, le poste qui est encore libre. Il faut un bon monteur. Ici, il faut un photographe pro. Vous voyez, non? Voilà, tout le matériel est là. Tout est déjà en place. C'est pas... Le contre-jour là, il dérange un peu. Voilà, il y a tout le matériel. Vous voyez, il y a les miroirs. Si je me détache un peu là. Vous me voyez, je me filme moi-même, vous me voyez, non? Voilà. Donc ici, il faut un coiffeur pro. Vous contactez, vous me contactez, vous avez mon numéro, je vais pincer mon numéro là tout à l'heure. Voilà, ici, il faut un coiffeur pro. Vous voyez, non? On vous coiffe, on va mettre tout en place, ça vraiment professionnel. Il y a tout en place, même tout pour le massage. Vous nettoyez la tête et tout. Il y a tout. Voilà. Vous voyez, non? C'est ça. Ici, espace shooting, tout ça. Voilà, je vais un peu dehors. Présente. Ça, c'était l'intérieur. Voilà, la sortie. Voilà. Bon, ici. Voilà, ici. Je vous présente, là. Voilà. Bon, ça, c'est l'extérieur. On n'a pas encore aménagé ici. On réfléchit encore ce qu'on va faire ici. Voilà, donc, comme vous voyez bel et bien là. Donc, les amis, voilà les vraies choses qui commencent. Les vraies choses. Vous voyez, non? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, comme j'ai dit en titre, j'ai besoin ici d'un monteur. Hein? Ferme un peu la porte, ferme la porte. Aïe, aïe. Ok, ok, merci. Donc, vous voyez, c'est VIP, hein? C'est pro. Ici, c'est l'affaire des grands. C'est l'affaire des grands ici. Ouais. Donc, j'ai besoin d'un bon monteur. Voilà, d'un bon photographe pour les shootings photos. Et d'un moment à l'autre, là, on engage les travaux. On engage le boulot. Donc, je suis en train de vouloir refaire un peu. Relooking. Pour l'instant, j'enregistre juste les employés et on commence d'ici avril ou mai. Les vraies choses commencent. Regarde, ne cherchez pas l'argent, vous partez en boîte de nuit. Hein. Ne cherchez pas l'argent, vous partez chercher les belles filles. Cherchez l'argent, vous investissez. Il faut investir au pays. On peut investir au pays, on réussit. Ou un peu, non? Il faut investir au pays, on réussit.
Parce qu'il y a les gars qui viennent nous embrouiller que oh, le pays est risqué, le pays. C'est vrai, il y a des petits trucs qui ne marchent pas, mais bon, ce n'est pas pour dire que si tu te donnes vraiment, que tu es sérieux, tu travailles, tu ne vas pas réussir, tu vas réussir. Ouais, non, les gars. Il y a les gars qui viennent chaque jour m'insulter sur Facebook. Oui, c'est Vision prostituée à la Total Ngousso. Total Ngousso, Ngousso, sur la, au niveau de la route de soie, là. Total Ngousso, en face donc. Total Ngousso, quand vous êtes à la Total Ngousso, Total d'en haut, à l'immeuble là, en haut. En haut. Voilà. En haut là. Donc, on va refaire les plaques d'ici demain. Je vais vous présenter les plaques. Pour l'instant, je ne vous présente pas la vue extérieure parce que, bon, je n'ai pas encore changé le nom de la plaque. Ouais, non, en réalité, c'est un fonds de commerce que j'ai acheté. Non, les gens vont croire peut-être que j'ai fait ça. C'est un fonds de commerce que j'ai acheté, en fait. Donc, voilà. On va désormais faire des vrais trucs ici. Pour l'instant, je ne vous présente pas encore mon bureau parce que le bureau est encore occupé par le propriétaire. Donc, dans les jours à venir, quand il va libérer le bureau, je vais vous présenter le bureau. Vous voyez un peu, non, les gars? Un peu, voilà. Assois un peu. Donc, vous voyez, les amis. Donc, c'est un peu cette image-là que je vais présenter à mes jeunes frères. Donc, les gars, soyez honnêtes hein, dans la vie, soyez honnêtes. Beaucoup de travailleurs, vous voyez un peu, curieusement, personne. Hey, monsieur Chantal! Non, monsieur Chantal, tu me suis, hein? Ok, sur ma page. Je t'attends ici pour les shootings photos. Donc, dès que je commence les activités, monsieur Chantal, c'est même toi le premier. Je vais même te shooter gratuitement. Retiens bien cela. Donc, après, tu prends mon numéro, tu vas me contacter. Je vais te shooter ici gratuitement dans mon studio. Regarde bien. C'est pas l'affaire des enfants. Ici, c'est la maison des artistes. C'est la maison des artistes désormais ici. Allons au palais des sports faire ton anniversaire. Monsieur Chantal, il faut prends un peu eBay. Donne-moi un peu ton numéro. Donne-moi un peu ton numéro. Passe-moi un peu ton numéro. Mon numéro WhatsApp, c'est le 672. Je ne sais pas si tu as quelque chose pour noter. 672-30-37-85. Non, mon anniversaire. Attends, allons au palais de sport faire ton anniversaire. En fait, je ne comprends pas ce que tu voulais dire. Mon anniversaire, c'est le 25 mars. Le 25 mars, c'est vrai que j'ai annoncé le 18 mars. Mais comme j'ai posté dernièrement, j'ai perdu un ami très cher. Un ami qui était pour moi comme un frère. Lui qu'un frère, même on était ensemble tous les jours. Et il est mort bizarrement. Et le jour qu'il est même mort, on était ensemble. À 21h, on s'est séparés. Il est décédé à 21h30. Donc j'ai très mal même quand je fais ce direct. Vous voyez que je ne suis pas trop gay depuis un certain temps quand il fait mes vidéos. Donc ça me touche tellement. Et on l'enterre. Sa famille a décidé d'enterrer le 19 mars. On ne peut pas l'enterrer sans qu'il soit présent. On ne peut pas. On ne peut pas l'enterrer sans qu'il soit présent. Donc, je dois voyager le vendredi pour la levée de corps. Et on va veiller le vendredi qui était prévu pour mon anniversaire. Là, donc, j'ai reporté. Le vendredi, là, on va voyager. On va veiller. Et on va enterrer samedi. On va enterrer samedi et je vais rentrer. Donc, voilà. Voilà donc. Voilà un peu le programme. Donc, l'anniversaire, ce n'est pas au palais de congrès. C'est plutôt au complexe Las Vegas, à Messassi, Pont et Mana. Voilà, c'est plutôt au complexe Las Vegas, à Messassi. Donc, les gars, c'était un petit direct juste pour vous présenter la structure, en fait. Et voilà, vous annoncez déjà un peu hein, les artistes que désormais nous sommes ensemble pour le shooting. Ça va aller très fort. Donc, j'ai besoin d'un bon photographe qui va me shooter les photos, qui va me faire des très belles photos. Donc, restez connectés. Il va vous donner tout le programme, les gars. Parce que moi, j'en ai un. Je vous l'offre très mal. Franco. Quand tu as insulté la grosse tête de Franco, hein, pendant que le gars passe les nuits blanches, il bosse dur, il avance. C'est ça qu'on appelle le respect. Le respect s'impose et le respect s'arrache, les gars. C'est la magie. C'est la patte.
Je suis sur la chaise roulante, hein, donc je tourne, je tourne, je tourne. C'est la magie. C'est la magie. Bon, les gars, vive le 237, hein, c'est un très beau pays. Hmm? Les gars qui fuient le pays, qui partent en Beng. Merci pour le cœur, merci pour le cœur. Partagez le direct, s'il vous plaît. Les gars qui fuient le Cameroun, qui partent en Beng, hein, que le Cameroun est dit qu'on peut pas évoluer là. Je suis même pas encore en Beng. Hein. Oui, monsieur Chantal, je vais écrire le lieu de l'anniversaire là. Je vais écrire. Et j'ai besoin de ton contact. Et si tu as pris mon numéro, il faut m'écrire. Donc, pour ceux qui fuient le Cameroun, qui go en Beng là, nous, on reste au pays, mon frère. Allez en Beng. Nous sommes un vieux pour aller en aventure. Donc, maintenant, là, l'aventure, là, c'est nos enfants. Nous, on va seulement envoyer les enfants en Beng maintenant. Nous, on travaille l'argent au pays, on envoie les enfants en Beng. C'est comme ça. Nous, on est un vieux. On ne peut plus aller en aventure. Je suis un vieux. C'est pas parce que vous voyez qu'il enlève tout la barbe et l'esclave. Vous croyez que je suis un enfant. Oh, les gars. Ciao, ciao, on est ensemble. Bonne journée.